Bien, là, on vient de changer là, les roulements d'un pont arrière. C'est un pont Ford de 9 pouces. Et on va vérifier le backlash, c'est-à-dire le jeu de l'entre-dents entre la couronne et le pignon à queue. Alors, pour ça, donc, on a monté un petit comparateur avec un pays magnifique là, sur le boîtier du pont. Et on va pousser et tirer le pignon, la couronne, pour vérifier le jeu de l'aventure. Alors, on voit ici, nous avons environ 20 centièmes, hein, 20, 21 centièmes. Le jeu recommandé, c'est entre 15 et 25 centièmes. Alors, pour régler le jeu, c'est assez facile sur un pont Ford. On a là ici deux chapeaux et une bague filetée de chaque côté pour chaque palier. Et donc, lorsqu'on veut augmenter le jeu, eh bien, il faut pousser la couronne. Donc, on va desserrer légèrement le chapeau, on va desserrer la bague filetée de ce côté-là, et on va faire la même chose de l'autre côté, en desserrant le chapeau, mais en revissant, ce qui va permettre de déplacer l'ensemble du couronne différentielle à l'extérieur, et ça va augmenter le jeu. À l'inverse, lorsqu'on veut réduire le jeu, eh bien, on procède de la même façon, mais en desserrant du côté opposé, et puis en resserrant la bague filetée du côté de la couronne, pour rapprocher la couronne vers le pignon à queue. Avec les autres ponts, c'est pas aussi facile, hein. Voilà, c'est assez simple.